bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Émilie. Je suis contente de te retrouver. Je te propose une petite séance d'étirement que tu peux faire après une séance de renforcement musculaire. Cette séance sera courte, elle va durer juste 15 minutes. Allez, inspire tranquillement, étire, grandis-toi au maximum. Cercle de bras en arrière, va poser tranquillement tes mains au sol, en chien, tête en bas. Ouverture des épaules, rentre un petit peu la tête et tu vas marcher tranquillement en te déhanchant un petit peu. Allez, fléchis, alterne jambe droite, jambe gauche. Sens bien l'étirement au niveau des hanches. Fléchis un petit peu tes jambes, essaye de garder les talons ancrés dans le sol, pousse le coccyx vers le plafond. Tends de nouveau tes jambes, étire-toi, pousse bien le coccyx. Et on va aller se placer tranquillement à quatre pattes. Tranquillement, on va aller creuser le dos, monter le menton vers le plafond et ensuite arrondir en ramenant bien le nombril vers la colonne. Prends ton temps, creuse et ramène tout doucement le nombril, menton vers le nombril. Prends le temps pour faire ce mouvement, pas de précipitation. Maintiens quelques instants en creusant. Maintiens quelques instants en rentrant bien la tête. Reste en position neutre, étire bien, allonge ta nuque au maximum. Étire le bras vers le plafond. Allez, grandis-toi, regarde vers le plafond. Le bras qui est tendu, je vais le glisser au sol. Je peux poser ma tête sur mon tapis. Le bras qui est fléchi, je vais le placer au niveau de la fesse opposée. On replace tranquillement sa main au sol et on se replace de nouveau à quatre pattes. Et là, je vais étirer l'autre bras vers le plafond. Allez, on étire, on regarde vers le plafond, on se grandit bien. Et je vais glisser mon bras au sol. Je pose l'épaule au sol, je pose la tête au sol. Je place ma main au niveau de ma fesse opposée. On repose la main tranquillement au sol. On se replace de nouveau à quatre pattes. Et là, on va aller regarder ses fesses une fois à droite, une fois à gauche. Allez, on force un petit peu, on pivote tranquillement. Très bon mouvement pour la colonne vertébrale. Et on va maintenir quelques instants. Allez, on fait un joli C et on maintient. Même chose de l'autre côté. Relâcher, on étire ses bras loin devant, ouverture des épaules, on essaye d'aller poser sa poitrine au sol, coccyx bien vers le plafond, et là on va
planter ses griffes. Comme le chat, il va les tirer tout doucement en ramenant les fesses vers les talons. Dépose tranquillement ta tête au sol. Ramène tes mains tranquillement, resserre un petit peu tes genoux. Déroule doucement ton dos et déverrouille tes épaules. La main au niveau de l'oreille, incline la tête sur le côté. Menton vers le plafond. Et déverrouille doucement tes épaules. Prends le temps de t'asseoir. Écarte un petit peu tes jambes. Étire encore, grandis-toi au maximum. Et prends le temps de descendre devant. Tranquillement, on va aller chercher bras et jambes opposés sur le côté. Allez, grandis-toi au maximum. Et tire-toi et va chercher tranquillement de l'autre côté. De nouveau vers le plafond, grandis-toi au maximum et retourne devant. Allez, tu vas descendre un petit peu plus bas, prends le temps de descendre. On se redresse tranquillement, j'étire les deux bras encore vers le plafond, je pivote et je descends un bras de chaque côté de la jambe. Va chercher de l'autre côté. Alors, on va se redresser tranquillement. On étire au niveau de la fesse. Croise, attrape le genou opposé. Étire au maximum le dos. Sens bien l'étirement au niveau de la fesse et tu peux relâcher. Serre tes talons, ouvre un petit peu tes genoux, appuie tranquillement en douceur sur les genoux. Attrape tes chevilles et fais des petits cercles pour
bien déverrouiller. Et même chose dans l'autre sens, tourne tranquillement. Étire vers le plafond, grandis-toi et laisse-toi aller devant. Tranquillement, attrape tes chevilles, laisse-toi aller derrière, rentre un petit peu le menton. Allez, sors la poitrine et tire-toi au maximum. Arrondis de nouveau, va chercher encore un peu plus loin. Sors la poitrine, grandis-toi à fond et pivote la tête. Replace-toi dans l'axe et change de côté. Et relâche tranquillement. Tends tes deux jambes et tire-toi au maximum vers le plafond. Et va chercher le plus loin possible. Prochaine vidéo.